L'homme regarda sa montre. Déjà 5 heures du matin. Il eut un frisson. Dehors, la nuit devait être glaciale. Il était épuisé. Il croquait le trajet de cola astier, antinomasthénique, régulateur du cœur, excitant du système musculaire, en vente libre dans toutes les pharmacies, et éteignit la lumière. Dans l'obscurité, il ouvrit la dernière des 4 boîtes d'ectachrome 16 mm inversible et, à tâtons, engagea les 30 mètres de film dans la spirale de la cuve de développement. La préparation pour le premier bain de révélateur était dans une petite bonbonne de plastique qu'il se rappelait avoir posée à sa droite sur la tablette. Il la prit, en versa le contenu dans la cuve et, dès que ce fut fait, se rendit compte de son erreur. La fatigue et l'énervement lui faisaient faire des conneries. Il venait de verser le révélateur chromogène, celui qu'on n'utilise qu'après le bain de blanchiment et la pose d'inversion. Il étouffa un juron et, sans perdre une seconde, remit à l'aide d'un entonnoir le liquide dans son récipient. Il lui substitua le premier bain, espérant qu'il n'aurait pas eu le temps de faire effet. Il ignora à peu près tout de la technique de laboratoire et ne savait quelles pouvaient être les conséquences de son erreur. Le reste de l'opération se déroula sans incident et, quand il ralluma en mettant le film à sécher dans la soufflerie, il n'osa pas regarder si l'image avait souffert. Il verrait cela à la projection. Il installa l'écran et l'appareil, colla bout à bout les 3 premières bobines. Il enlèverait les amorces plus tard. La dernière bobine étant sèche, il la scotcha à la suite des autres en évitant toujours, par une sorte de superstition, de la vérifier. Puis, en commençant par la fin, il enroula le film sur une bobine unique qu'il mit sur le projecteur. Il s'aperçut que ses mains tremblaient et prit le temps de se verser un verre de scotch qu'il but d'un trait avec une grimace. Sans glace, l'alcool lui brûlait l'estomac. Il se sentit pourtant mieux. « On peut y aller, murmura-t-il pour lui-même. » Il éteignit, lança le projecteur. Les premières images étaient terriblement floues. Et avant de s'asseoir, il fit le point. Il n'était pas très adroit et ne parvint pas à obtenir une netteté totale. Peut-être le léger flou qui subsistait venait-il simplement de la prise de vue. Il renonça à faire mieux et concentra son attention sur l'écran. On voyait en gros plan un portrait de Karl Marx, auquel succéda celui de Mao, puis celui de Che Guevara. La caméra avait été tenue à la main par un amateur. Cela donnait une image tremblotante. Il eut ensuite un plan général, pris avec la caméra sur pied. Les portraits de Marx, de Mao et de Guevara étaient des posters fixés en guise de décor sur un mur devant lequel une fille se dandinait. C'était une fausse blonde, assez vulgaire et trop dodue, genre Poufias, qui pouvait avoir une 20aine d'années. Elle regardait du côté de la caméra, paraissait écouter quelqu'un. Elle eut un petit rire et ses lèvres bougèrent. Le film n'était sonorisé d'aucune manière, l'on entendait dans la pièce que le ronron du projecteur, mais on devinait aisément qu'elle disait « d'accord » ou quelque chose comme ça. La fille commença à se déshabiller. Quand elle eut enlevé son pull, sous lequel elle était nue, il eut un effet de zoom, hésitant et raté, saccadé, pour cadrer en gros plan sa poitrine. Obéissant sans doute à un ordre qu'on lui donnait, la fille se tourna légèrement pour être bien en face de la caméra et se malaxa les seins.